questions écrites, notamment sur l'ordre des voies, bien que nous sommes en vacances parlementaires. Conformément au règlement d'ordre intérieur, durant les vacances parlementaires, un honorable député peut initier une question orale au gouvernement, notamment au gouvernement provincial, au mandataire. Et nous avons remarqué, je crois que tout le monde a suivi hier dans les ondes ou dans les réseaux sociaux, les nominations notamment du directeur général ainsi que des deux directeurs généraux adjoints de notre régie financière déjà passée. Et nous voulons savoir en plus, parce que jusque-là, nous les députés ou l'Assemblée provinciale n'avons pas encore investi le gouvernement. Sous quelle qualité le gouverneur puisse nommer un directeur? Où avons-nous vu un conseil des ministres, même avec les ministres sortants? Non plus. Parce que notamment les régies financières n'est pas une agence du gouvernement, mais plutôt un régie qui travaille sous tutelle du ministère des Finances. C'est pourquoi je ne veux pas que les gens puissent désencadrer notre gouverneur. Je ne veux pas que les insatisfaits puissent se manifester. On doit orienter, encadrer notre nouveau gouverneur qui ne tombe pas dans les pièges des insatisfaits. C'est pourquoi je viens directement en alerter, comme j'avais dit dernièrement dans une émission. Lorsque je sens que quelque chose ne marche pas, je serai là pour protéger notre gouverneur parce que c'est un précis actuellement. Pas un règlement de compte. Vous savez, nous devons rester sur les lois établies dans le pays, aussi sur notre règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Conseil d'État, aussi sur la Cour constitutionnelle. Donc, nous devons rester dans les légalités pour que nous travaillons très bien. Merci. Il n'y a pas de ce que les gens peuvent penser. Juste le gouverneur peut nous répondre à cette question orale. C'est une question écrite. Il a le temps de nous répondre. Il y a un délai fixé par le règlement de l'intérieur.